Bonjour tout le monde, me revoici pour une vidéo tutoriel cette fois-ci. Donc je vais essayer de vous faire voir. Alors c'est pas grand chose, c'est vraiment des petits bloc-notes tout simples à faire à la portée de tout le monde, franchement. Donc voilà, j'ai réalisé ce matin, donc pour une personne qui adore le verre et les photos. Donc vous voyez, donc la couverture toute simple avec le mot note. Alors juste que je me suis trompée, je n'avais pas vu que le papier à motif, que le motif du papier c'était une fleur et qu'il fallait le mettre ainsi. Mais bon, voilà, c'est pas grave, tant pis. On a une petite enveloppe pour glisser des petites choses et donc j'ai décoré d'un appareil photo puisqu'elle adore les photos aussi. Voilà, donc là aussi on reste sur l'appareil photo et la couleur verte. Un petit bloc de post-it, donc ceux-là je les trouve à Ikea, ils sont gros, ils sont bien épais comme ça, et on a trois couleurs, donc gris, blanc et rose. Et ils sont parfaits pour faire des petites choses comme ceci. Un petit crayon qui vient aussi d'Ikea, je pense que vous les reconnaissez, les petits crayons en bois, et du ruban. Donc voilà, et donc là, le verso, pardon, du... Donc avec ma petite étiquette pour celui-ci, puisque c'est pour un CPIF. Donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est ce qu'on a fait cette année sur Instagram. Donc en fait, il s'agissait de poster juste une image sur Instagram et d'indiquer qu'on allait faire quelque chose de fait main, forcément. Donc un petit envoi au cours de l'année pour les 5 premières personnes commentant la photo. Il me semble que ça s'est aussi fait sur Facebook. Voilà. Donc j'ai eu 3 personnes qui ont commenté cette image. Donc j'ai fait 3 envois. Donc normalement c'est du donnant-donnant, plus ou moins. Et moi j'ai déjà fait 2 envois. C'était le dernier auquel je vais glisser. Je vais apporter quelques petites choses, du maquillage, des petites choses comme ça. Juste pour le plaisir. Voilà. Et donc j'ai fait celui-ci il y a quelques minutes en arrière. Voilà. Donc on va passer à l'essentiel. Donc on va faire notre petit bloc-notes. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment à la portée de tout le monde, je pense. Donc on commence par prendre un basil donc de la couleur de votre choix qui va mesurer alors 9, 18, 19 cm. Excusez-moi, je compte en même temps. Donc nous avons 9 cm. On fait une petite séparation de 1 cm puisque ça va être la tranche de notre petit bloc-notes, puis à nouveau 9 cm et on a 11 cm de haut si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc voilà, on fait notre petit si j'arrive à sortir notre... Je fais la feignante, je sors ma score pâle, c'est aussi pour aller plus vite. Donc je plie à 9 puis à 11. Oui, au final il faut donc 19 cm par 11 cm. Alors, soit on choisit de garder le côté... Alors, moi, c'est un basil maé, enfin, papier maé. Donc, soit on décide de garder le texturé à l'extérieur ou à l'intérieur, c'est comme vous voulez. Moi, je vais le mettre à l'extérieur parce que j'aime bien. Et je trouve ça plus joli pour l'intérieur, en fait. Vous voyez, excusez-moi, j'ai disparu un peu de la vidéo et ce soleil m'énerve. Alors, attendez, je vais essayer un truc, je reviens. Voilà, je crois que niveau lumière, ça sera beaucoup mieux. J'ai dû baisser les stores. C'est dommage de ne pas pouvoir profiter de cette lumière, mais bon. Donc voilà, nous avons notre couverture. Donc un basil qu'on a plié. Franchement, là, c'est tout simple. Hein. Voilà. On va prendre un papier à motif donc pour faire en fait la couverture, le dessus de l'enveloppe et donc l'arrière. Il faut vraiment que je règle ce petit souci là. Voilà, et donc l'arrière. Donc le papier motif de votre choix. Pour celui-ci, j'ai choisi, je crois que c'est toujours la même collection que le rose. Donc un papier Casey Art. Donc on va placer devant, derrière. Bon bah voilà, quand il n'y a pas les enfants, c'est les chats qu'on entend. Et donc un papier pour notre enveloppe. Donc le papier pour le recto et le verso de la couverture mesure, je vais vous dire ça, 8,5 par Lilith, s'il te plaît. 8,5 par 10,5, exactement. Donc 8,5 et 10,5 de haut. En fait, j'ai enlevé 0,5 à chaque fois, finalement. Donc, vous pouvez le laisser carré ou faire comme j'ai fait
ici. Donc j'ai fait des petites encoches, donc rien de plus simple. On prend une perforatrice ronde. Alors là, moi j'ai, je sais pas si on voit, voilà, on a une petite flèche là, donc j'essaye de me caser là-dessus pour faire, elle bloque, voilà, pour faire mon petit rainurage, enfin je sais pas comment on appelle ça, encoche. J'aime bien ces petites encoches. Je trouve que ça fait un petit fini. Voilà. Je fais pareil pour mon papier donc de du verso. Donc toujours la même taille, 8,5 par 10,5. Hop. J'ai un petit peu mal fait sur. Ouais, j'ai peur de me tromper après. Bon, je vais laisser. Et elle bloque beaucoup ma perfo. Ouais. Je m'en sers très très peu et bien sûr le jour où j'en ai besoin, ça déconne. Ah mais j'en ai oublié un. Voilà. Ah bah alors là j'ai carrément. Ouais, je vais modifier ça parce que. Ouais. Et donc l'autre aussi. Décidément, je crois que j'ai pas de chance avec ce petit bloc-notes, parce que alors celui que j'ai fait ce matin, le vert, mais je l'ai fait pratiquement d'une traite, plus ou moins, hein, parce qu'avec des enfants, on n'arrive jamais à rien faire en une seule fois, mais bon. Et là, l'autre, le rose, franchement, j'ai eu plein de soucis au niveau des découpes, c'était pas coupé droit, vous voyez, j'ai eu souci avec ça, et je l'ai toujours d'ailleurs, regardez, ça colle pas en fait. Bon, on va voir que j'arrange ça. Bref. En fait, il faut que je change mon ruban. C'est pas bien grave. On va faire avec. Donc, pour en finir, on peut passer un petit coup d'encre sur les côtés. Celui-ci, ouais, si, je vais le faire quand même. Moi, je continue avec mon noir. Je sais pas si vous avez vu les autres, j'ai fait aussi en noir. J'aurais pu choisir une autre encre. Hein. Vous faites comme vous le voulez. C'est vrai, je vous donne juste les bases, c'est vraiment adaptable à tout, même que vous pouvez agrandir ou rétrécir enfin la taille finalement du bloc, hein, enfin du tout au final, puisque ça dépendra du bloc post-it que vous allez mettre dedans, parce que vous pouvez d'ailleurs mettre autre chose que des post-it, hein, c'est pas... Franchement, je trouve ça très pratique. Donc là, je fais... donc celui-là, je vous ai dit, c'est pour un échange, un CPIF. Et l'autre, c'est pour la maîtresse de Myliane, celui-ci. Et donc celui-là qu'on est en train de faire, ça sera pour l'ATSEM. Donc j'ai fait pareil, j'ai ancré donc, les bords de mon autre papier. On va coller tout de suite, en fait, comme ça c'est fait. Par contre, j'aimerais trouver un autre moyen de coller. Je sais plus ce que j'ai comme. Pour vous dire, en fait, le premier que j'ai fait, je l'ai fait avec mon bloc, enfin mon truc comme ça, Artemio, mais c'est de la colle. Et il est là. Je cache tout en dessous. Avec ceci, et il était génial, 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 franchement. J'ai réussi à coller même mon ruban, et ça marchait très bien, et que, sauf que j'en ai plus. Malheureusement, il faut que je m'en rachète. Et donc j'ai essayé de coller le ruban avec ça. Impossible. Ça ne tient absolument pas. J'ai même essayé avec le Glossy Accent. Ça ne tient toujours pas. Donc c'est la première fois qu'il y a quelque chose qui résiste au Glossy Accent pour moi. Donc très déçu. Donc là j'utilise ceci. Donc c'est les simples pastilles soi-disant permanentes. C'est ce que j'ai fait pour l'autre. Le rose, et ça tient pas forcément des masses, mais bon, c'est pas grave. Donc, il faut que j'apprenne à les mettre bien au bord aussi, ça serait mieux. D'ailleurs, comme mon travail à l'image, et voilà, oh là là, mais je fais n'importe quoi aujourd'hui. La reprise du scrap est assez rocambolesque. Oh non, sérieux? Oh, mais voilà, je crois que j'ai la poisse aujourd'hui en fait. Ah bah il s'est carrément déchiré.
Oh là là, mais c'est pas possible. C'est quoi ça? Bah en fait, je crois que j'en ai plus. Ah si, quelque part par là. Mais pourquoi il est dans ce sens-là? Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là. Mais je crois que... Ouais. Bon, on va dire que c'est bon. Bon, bah au moins, vous voyez bien que je fais en direct, hein. Je vais pas la recommencer, même si je pourrais très bien refaire un bloc comme ça. Un petit carnet, il n'y aurait pas de souci parce que c'est toujours appréciable, je pense. D'ailleurs, il faudra que je fasse un cadeau pour la nounou. Donc, pourquoi pas lui refaire un carnet aussi. Mais bon. C'est bon, là, au bout de trois, je crois que je vais laisser tomber pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais mettre du coup? Écoutez, on va faire avec de la colle. Hein. Finalement. C'est du papier, donc ça devrait coller. Hein. Y a pas de souci. C'est vrai que j'utilise très très peu. En fait, j'aime pas trop parce que j'arrive pas forcément à mettre sur les bords, mais vous me direz, je mets pas plus sur les bords avec l'autre, alors pourquoi pas. Bref, donc vous collez votre petit papier à motif recto et verso. Voilà, donc on a ceci. J'ai bien collé à l'endroit parce que alors j'arrête pas aussi de coller à l'envers. Alors ça colle pas, bien sûr. Oh là là. Oh, je crois que je suis maudite. Non, mais ça colle pas du tout, c'est pas possible. Ça tient pas. Non, mais je commence à en avoir marre là, de la colle. Bon, on va y laisser de côté. On va faire l'enveloppe. Voilà. Puni. J'essaye de mettre des choses lourdes. Quand je vais en avoir besoin. Donc pour l'enveloppe, donc vous prenez un papier blanc plus fin que du basique parce que ça sert à rien de mettre du poids sur la couverture puisque c'est juste une couverture simple, hein, donc elle n'est pas cartonnée. Donc si on la charge trop, je pense que ça sera pas top. C'est un papier de, je vous dis ça, 12 cm de large. On fait une bordure à 1 cm du côté gauche et à 1 cm du côté droite, ce qui nous fait qu'on a 10 cm ici. On fait pareil en bas, oui, parce que du coup c'est 12 cm sur 16. 12 cm sur 16, donc on fait un trait à 8 cm. On a 8 ici, 8 ici. J'espère que je suis assez claire, je trouve que je m'embrouille. Et donc on va couper en fait les languettes. Ici, on peut même découper un petit peu, mais genre 1 à 2 mm à l'intérieur ici, puisque ça va nous aider à bien plier notre enveloppe en fait. Je vais vous faire voir si je retrouve ma règle. Non, mais je suis en train de tout paumer. Ouh. Donc, en fait, je ne sais pas si vous voyez, du coup, on a notre trait ici, et bien je vais couper un petit peu à l'intérieur. Donc 1 à 2 mm. Pas plus, hein, parce qu'après ça va nous faire un gros écart, ça sert à rien. Donc, on fait pareil de l'autre côté. Comme je vous ai dit, j'ai du mal, hein, parce que là je suis vraiment éloignée de mon travail là. Je suis à bien 20-25 cm de ce que je fais et c'est pas évident. J'aime pas trop. Faut vraiment que je trouve une solution pour filmer autrement. Donc voilà, on enlève nos petites languettes sur le bas puisqu'on s'en sert pas et on peut couper en biais les autres languettes, enfin les autres, les seules languettes finalement qu'on a. Voilà. On peut se servir, comme moi, de la scorpale. Hein. Quand on est fainéant, on l'est jusqu'au bout pour plier. Si vous ne l'avez pas, hein, il suffit de plier avec le dos de votre
de votre cutter et la règle. Voilà. Ah ben j'ai oublié de plier ici, mais c'est pas grave. On fait. Donc on plie au milieu. Voilà, et on va replier en fait nos languettes sur le derrière. En fait, si on n'avait pas coupé à 1 à 2 mm à l'intérieur sur cette partie-là, on aurait plié comme ça et ça ferait bombé en fait. Ça tiendrait pas beaucoup. Oui, du coup, je voulais mettre ça moi. Non, mais franchement, vous avez déjà eu ça vous? Je comprends pas comment ça pue. Tourner en fait. Faut que je le démonte mon truc. Mais... Ah mais il y en a plein en fait là. Je suis en train de le tourner à l'autre sens. J'ai me trompé un moment. On va essayer. Hein. Non, ça marche vraiment pas. Mais je comprends pas pourquoi j'ai cette bande là qui sort. Voilà. Hop, on colle. Ça marche un tout petit peu. Allez, super. Voilà, et on va coller donc cette enveloppe là après donc sur le. Mais on va voilà le coller. Oh, mais voilà, je refais la bêtise. J'ai oublié de faire mon encoche encore une fois. Non, mais c'est pas possible. Bon, c'est pas grave. Donc, pour couvrir cette enveloppe, on va prendre un papier. Donc, sur les autres, j'avais vraiment fait plus petit. J'ai fait 7,5 par 9,5. Et là, j'ai fait 7,8 par 9,8 pour que vraiment que ce soit au plus proche pour que je puisse faire mon encoche. Et la faire mieux que celle-ci. Parce que franchement, elle n'est pas jolie du tout. Je crois que je ne suis pas douée aujourd'hui. En fait, j'aurais pas dû scraper finalement. Donc, le tout là est de trouver peut-être. Je vais faire une plus petite encoche. Parce que je pense pas que ma grosse passe. La grosse perforatrice passe dans le truc. Donc mon enveloppe va être comme ça. Je fais attention au sens parce que sur l'autre, je me suis trompée de sens. On va réessayer le chemiblic. Hein, on en colle. Donc, enfin, vous en collez, vous collez, je ne sais pas ce que vous... Si vous y arrivez mieux que moi, je pense que oui. Oh là là, mais c'est le bazar. Je ne comprends pas pourquoi ça s'est passé ça. En plus, je colle pas au bord. Non mais. Oh là là. Je m'envoie là. Je suis bête parce que je me suis acheté des rouleaux de double face, la version scrap, et je m'embête avec ça. En fait, c'est parce que je sais pas du tout où je les ai rangés. En fait, j'ai tout remanié mon bureau et voilà. Ah voilà. Pas parler quand on fait des choses comme ça. Et du coup, ouais, je sais pas. Normalement, j'ai rangé de façon à ce que ce soit près de moi. Mais voilà, ils sont pas près de moi, donc c'est qu'ils doivent être ailleurs. Ouais, ça va pas faire top. Hein, une petite. Allez, on teste celle-ci. Au pire, ça me défait tout. Ah, ça risque. Ah non, ça passera pas. Tant pis, allez, on fait la petite. C'est pas grave, ça changera. Je vais essayer de la. Et voilà. Et c'est moche comme tout, mais c'est pas possible. Oh, mais je suis nulle, nulle, nulle. Bon, j'espère que vous ferez mieux que moi. Hein. Il y a intérêt. Hein. Au moins, vous voyez ce qu'il faut pas faire, en fait. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo-là. Vous voyez ce qu'il faut pas faire. Allez, tu vas passer, tu vas passer. En fait, elle passe pas parce que ma perfo déconne à fond. C'est pas à cause du papier, c'est à cause de la perfo. Elle est complètement bloquée. Parce que mon papier, je comprends pas pourquoi elle passe pas. C'est pas non plus une maxi épaisseur que j'ai de papier là. Vas-y.
passe. Allez, encore un petit coup. Yes, trop bien. Je suis contente. J'ai réussi. J'ai un peu abîmé mon enveloppe. Et voilà. On a rien sans rien. Donc là, bah, je vais pas... non, il faut décorer notre enveloppe. J'allais oublier. Donc, désolée pour cette vidéo qui est du grand n'importe quoi. Je regarde dans mes découpes ce que j'ai. Ce qui va avec, en fait, les couleurs surtout, parce que... Ouais, là, c'est des choses de Noël. Ouais. Ouais, pour l'astuce, j'ai utilisé une boîte cassette que je me servais en fait à la base pour poser mon téléphone. Et j'ai juste viré les petits picots là. Et comme ça, je mets mes petites découpes. Enfin, les petites, hein, parce que forcément, les grandes, ça passe pas. Et donc, je vais coller ça là-dessus. Donc, tout simplement. Je vais prendre ma glue. En espérant que ça marche. Au final, je fais comme l'autre. On découvre. Tant pis. Je me rends compte que j'avais tout préparé à l'avance pour que la vidéo dure moins de 20 minutes. Et nous en sommes déjà à 24, pratiquement 25 minutes. C'est pas grave. C'est juste qu'elle sera longue à charger. Et voilà, ça glisse. Oh, bon Dieu. Bon, on laisse notre petite enveloppe de côté le temps qu'elle sèche au niveau de la colle. On va voir si lui, il est collé. Ce qui serait bien parce que là, on a vraiment besoin de ça. Au moins, je teste tous les modes de collage. Oui, ça a l'air d'être bon. Je ne sais plus lequel qui est. C'est pas grave. Ça a l'air d'être bon. Donc, je vais virer ça là pour qu'on puisse voir. Parce que je suis encore très très loin. Je vais choisir. Ouais, je crois que c'est dans ce sens-là. Ça, c'est le devant. Là, c'est le derrière. Donc, on va mettre un bloc note. Enfin, un post-it. On le colle pas tout de suite. Attention, parce qu'il faut qu'on mette notre ruban d'abord. Donc, on essaye de visualiser à peu près où il va. Par contre, on va pouvoir coller notre petit post-it. Donc, pareil que j'ai eu chez Nose. Déco, je vais le mettre dans ce sens-là. Là, j'aimerais bien arriver à mettre ça dessus parce que c'est beaucoup plus pratique. Voilà. Je le centre à peu près. Voilà, parfait. Et donc là, on va mettre... Ah ben, on va d'abord décorer notre petit, petit crayon Ikea. Voilà. Donc ça, je pense qu'on en a pratiquement toutes. Juste ce que je fais, c'est que je gratte un peu pour effacer ce qu'il y a écrit. Alors, celui-là tout à l'heure, j'y suis arrivée d'un coup. Donc faites attention, pas vous blesser, parce que avec le cutter, là, comme ça, c'est vite fait. Après, vous choisissez le crayon que vous voulez. Hein. Si vous faites une version plus grande, d'ailleurs, j'en avais fait une. Je ne sais plus si je vous l'avais fait voir. Au pire, je vous ferai des mettrai des photos. On peut mettre un stylo bille, hein, tout simplement. Si vous avez trop entamé le crayon, vous pouvez aussi limer un petit peu. C'est pas mal. Donc, on prend un masking tape. Qu'est-ce qu'il a fait celui-là ? Donc là, j'ai choisi un jaune pour rester dans les couleurs. Et puis, c'est celui que j'avais de mieux. Alors, on n'est pas obligé de prendre un qui est très large. Puisque les deux autres crayons que j'ai fait, c'était des masking tape beaucoup plus fins. Et ça marche très bien. En fait, c'est juste qu'il faut le poser deux fois. Hein. Donc, on essaye de passer, de poser, pardon, droit. Voilà. On déroule un petit peu. On coupe à ras. Enfin, on essaye. Et si vous coupez pas à ras, c'est pas bien grave. Je vous ferai voir après comment on fait. Et donc, on recouvre notre petit crayon.
voyez pourquoi j'avais un large, je ne sais pas si vous voyez. On voit encore un, voilà, on voit encore un peu des morceaux de d'écriture. Donc voilà. Vous voyez, bah, je croyais que mon masking tape allait faire le tour, mais non. Et ben c'est pas grave, on va remettre une partie. Enfin, on refait un tour, quoi. Alors par contre, vu que j'aime bien la complexité, enfin, les choses. Donc si vous avez fait comme moi, choisi un masking tape à forme, enfin à rayures, tout ça, faites attention quand vous refaites un deuxième tour de bien, bien le comment dire. Je sais pas si vous voyez quoi. Je fais concorder, voilà. Bien faire concorder les formes. C'est comme la tapisserie. Par contre, je crois que je l'ai pas bien. Ouais, si, c'est bon. Donc voilà, on a un joli petit crayon décoré. Donc si vous n'avez pas bien coupé droit, alors moi là par exemple, je ne sais pas si vous voyez, ça dépasse un peu en repli. Voilà. Et donc voilà notre petit crayon qui est tout mini. Un petit crayon Ikea qui paye pas de mine au départ, hein, finalement. Et puis voilà. On vous prend du ruban, donc de la couleur que vous désirez. Donc là j'ai pris du jaune, je sens que je vais encore m'en voir. Parce que c'est du satin. Enfin, imitation satin. Mais bon, on va faire avec. Hein. On va essayer. Donc on va le placer à peu près à cet endroit-là. Puis un peu plus bas. Donc j'hésite à comment le coller. Ma glue marche. Oula, excusez-moi, j'ai touché le fil. Ma glue marche du ruban au papier, mais pas du ruban à ruban. Donc on va déjà au moins mettre ça, on sera au moins sûr. Donc on met pas de la colle. Voilà, on voit pas la rainure. Là on a la rainure hein, pour notre petite botte, notre comment dire. Ah, je sais plus. Vous aurez trouvé, je pense. On met pas jusqu'au bord, puisqu'il faut qu'on ait une petite boucle qui se fasse pour notre crayon. Voilà. Donc on fait pareil un peu plus bas. Voilà. Ben, vous savez ce qu'on fait maintenant, on attend encore. Donc voilà, j'ai pas attendu trop longtemps, j'en ai profité pour chercher mon rouleau d'adhésif. Donc là, ça a assez bien collé, ça bouge plus, c'est parfait. Donc attention, le crayon, posez-le bien près, lui, de la rainure par contre, pour former votre boucle, pour qu'on puisse après bien poser notre bloc post-it à une bonne distance du bord. Chose que je n'ai pas fait pour mon premier bloc. Voilà, comme quoi, ça sert de faire des erreurs. Donc du coup, je vais prendre ça, je vais tester. Hein. À mon avis, il est assez collant puisque j'ai eu du mal à le sortir du papier tellement ça collait. Donc, c'est pas grave. Si je le fais dépasser, c'est pas gênant. Ça collera après mon bloc post-it. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, pareil, vous voyez, je le mets pas trop près puisqu'on va fermer la petite boucle. Hein. Alors, on défait après. Double face. Si on y arrive, bien sûr. J'en profite pour dire bravo à toutes celles qui font des vidéos tuto parce que c'est franchement. Ah, je me colle les doigts, c'est super. C'est franchement pas évident. Je m'en rends compte. Donc, on essaye de faire tenir son crayon à la bonne distance de la rainure et de l'autre côté. On met notre ruban, on fait un petit pli. Voilà, non, je vais peut-être le serrer un petit peu parce que sinon, il ne va pas tenir. Donc, on essaye de le serrer un petit peu, mais pas trop parce qu'il faut qu'on puisse le rentrer, le ressortir. Et là, ça ne tient pas. Donc. On le serre raisonnablement. Voilà, ça devrait être bon.
comme ça. Et voilà, vous voyez? Donc là, j'ai un petit peu de jeu, mais oh, ça ira bien, je pense. Très bien. Donc, coupure, taille maximum atteinte pour l'enregistrement. Ouais, plus de 30 minutes, c'est le maximum sur mon téléphone. Donc je prends mon bloc post-it et j'en colle. Donc là, je prends mon double face encore une fois. Du coup, il est vraiment pas mal. Il colle vraiment très bien. Donc là, j'en mets sur toute ma surface. Excusez-moi, j'avais oublié que j'étais pas dans le cadre. Voilà. Ah, par contre, du coup, j'ai oublié de laisser poser ça dessus. Non, mais pourquoi je l'ai enlevé d'ailleurs? Bonne question. Je regarderai la vidéo moi aussi pour voir. Voilà. Hop, on colle. Donc comme je vous disais, à une certaine distance, on peut en profiter justement pour caler le stylo, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, ouais, j'ai quand même un petit jeu, mais mon ruban d'en haut tient bien du coup. Bon bah c'est pas du parfait, hein, c'est du fait main. Au moins la mettre, enfin là ça me verra que c'est fait main. Donc on a pratiquement fini, je me dépêche parce qu'on m'attend en plus. Voilà, on va coller notre enveloppe. Donc de la même façon, et ben je repose du double face. Donc voilà, j'ai posé mon double face. Bon là je l'ai posé vraiment loin du bord. Mais en fait ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut le poser pas trop près. Parce que comme ça permet à la personne, si elle met beaucoup de choses dans l'enveloppe, et du coup je vois que ça colle pas ici, ça permet de donner un peu de lest en fait. Donc on essaye de poser à égale distance et voilà, on a notre petite enveloppe, c'est nickel. Donc on peut mettre des petites choses, notre crayon, les post-it, il nous manque plus qu'à marquer note dessus comme au cas où que la personne ne saurait pas ce que c'est. Hein, puis ça fait toujours plus joli. Donc là je prends cet alphabet là, je l'ai pris chez Ziman, je pense à moins d'un euro, et finalement je l'aime pas mal. Donc je vais prendre du rose, je vais prendre les couleurs que j'ai en fait au final, parce que j'ai pas grand chose. Je sais pas si je le marque en bas, ouais si j'aime bien en bas. Non, attendez, faut d'abord que je mette ma lettre. Mettre du rouge aussi. On va mettre la lettre du milieu. Donc, puisqu'on a un nombre impair, ça tombe bien. Donc, 8,5. Donc, ça veut dire que je mets à plus de 4,5. Qu'est-ce que je raconte? 8,5, je mets à 4,5. Après, il faut se rappeler comment on écrit une monote. Oui, tout simplement. Je mets un peu. Rose aussi. J'ai l'impression qu'ils sont à l'envers les S. Ouais. Le haut il est où? On en aura un au rouge à côté du thé rouge, c'est pas grave. Moi je préfère le thé vert, mais bon. Et mon haut, voilà, il est pas droit. J'avais déjà eu le souci avec cet alphabet là. Les lettres elles sont pas égales en fait, et du coup. Et ben N rose. Et voilà. Donc voilà, nous avons fini notre petit bloc-notes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc c'est vraiment très simple, mais j'avais envie de vous le faire voir parce que justement, je me suis dit, ne serait-ce que pour ma nièce Annelle, je me suis dit tiens, pourquoi pas, parce qu'on peut pas scraper ensemble. Donc voilà, une petite vidéo comme ça. Et puis bah, je pense que ça peut donner des idées à certaines. Donc comme je vous disais, vous pouvez agrandir le format, décorer comme vous voulez. Là j'ai fait vraiment au plus simple. Je voulais pas trop me casser la tête en fait, j'avoue. Mais j'adore celui-là en fait.
Voilà. Donc, eh ben, je vous dis à bientôt et bah, à bientôt. Ciao.